déjà fait ce genre de vidéo par le passé parce que comme j'avais changé le nom de ma chaîne, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais décidé de faire un nouveau logo. J'avais fait une première vidéo pour ça. J'ai préparé une deuxième vidéo où je me suis tellement énervée que je ne l'ai jamais postée. Et là, j'avais eu d'autres idées, donc je voulais faire complètement autre chose. Mais j'ai déjà des problèmes. Parce que on me dit de faire une image de 98 par 98 pixels et 4 MB max. Et je n'arrive pas à faire ça. Donc je pense qu'on va sélectionner. Ah, attendez, je peux descendre. Et ben on va sélectionner ça. Voilà. 211, 299. Save. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, ça y est, il nous l'a mise. Bon, je sens qu'on va déjà pas y arriver, vu que c'est que le début. Je vous mettrai en barre d'information, commentaire épinglé et dans le i en haut de l'écran le lien vers la dernière vidéo que j'avais faite de tentative de logo de ma chaîne. Et puis vers d'autres vidéos de dessin, tout ça que je. Comme mon pseudo c'est Papillote ASMR en référence aux papillotes en chocolat, j'avais envie de dessiner une papillote et que ce soit ça mon logo. Donc on va tenter ça aujourd'hui. Je ne suis pas particulièrement douée en dessin ou quoi, c'est vraiment. J'ai envie de faire aussi différentes couleurs pour cette justement papillote parce que je veux l'utiliser pour aussi faire des logos légèrement différents. Quoi?
faut d'abord que je me mette sur celui-là pour mais c'est pas ça que je veux, pour perfectionner ça, parce que peut-être que si je fais ça propre, ah qu'est-ce que je fais, ah non j'ai fait des bêtises, je viens de passer 5 minutes à essayer de remettre les trucs que j'avais effacés en appuyant sur les boutons du S Pen. Et là, je sais pas pourquoi c'est revenu. Laissez tomber, je comprends rien à ces machins. Voilà. Alors, si je fais bien ici, comme ça, est-ce que si je fais ça et que je choisis, alors je voudrais du doré, moi. Couleur qui fasse un peu doré, ça c'est pas mal ça. Ok, bon. C'était trop fort pour être vrai. Là j'arrive à faire ça. Ok, donc on va se placer sur notre autre calque, c'est pas grave, et on va essayer de mettre un peu de là je voulais exprimer le twist mais j'ai du mal à le faire, bon c'est, j'y arrive pas trop, donc je crois qu'on va laisser tomber et on va pas s'énerver et puis c'est tout. Donc là je voulais essayer de faire de faire pareil de l'autre côté. Hop. Par contre, le crayon est vraiment noir, ça c'est bien. Ouais, là je fais un espèce de zikoukoui parce que j'ai l'impression que ça fait un peu style. Il y a un des chats qui a voulu absolument venir. Vous allez voir que dans 14 secondes, elle va
gratté à la porte, mais bref, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai essayé de faire un truc style tortillon là, tourbillon, je sais pas comment on dirait, mais c'est pas très réussi. Sur tablette et qu'on fait soit des écoles d'art, soit des choses en lien avec la conception de logos et autres trucs dans ce style-là, doivent vraiment me prendre pour une grosse nulose. Mais bon, c'est pas grave, j'assume. Faire
deux argentés. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore appuyé sur le truc où il faut pas appuyer. Oh, c'est pas vrai. Tout à l'heure, j'ai galéré pour remarquer un truc. C'est bon, ça m'a l'air bon. Alors. Ah, mais attends, je suis pas dans le bon crayon. Je reviens dans. J'ai fini dans le comment dire, un truc de capture d'écran qui est donc sur ma tablette. Je sais pas trop quoi faire pour la couleur. Je voudrais que le fond ce soit blanc. Ouais, mais du coup ça va effacer. Ça me va pas du tout, ça, comme couleur. Ça, déjà, c'est mieux, mais c'est pas très. Non, c'est pas ça. Comment on fait? Vous savez quoi? Ça, je vais le faire sur mon ordinateur normal. Donc, je ne vais pas le faire avec vous. Et je rajouterai Papy Yoda ASMR en gros dessus. Alors, est-ce qu'on fait une autre couleur? Est-ce qu'on tente ça? C'est pas ça que je voulais faire. Pour ce. C'est pas vrai, truc. Et du coup, je me retrouve avec une couleur qui est pas celle que je veux. J'arrive pas à retrouver la couleur que j'avais trouvée. Ça commence à m'énerver là. C'est quand même fou là. Je voudrais mon gris que j'avais trouvé. C'est pas du tout celui-là non plus. Si. Pouh. Allez, ça m'énerve. Ah, et au fait, depuis tout à l'heure, j'avance même quand vous êtes pas là, parce que, en fait, il y a un moment. J'ai pas non plus 15 jours hein, pour refaire ces logos. Donc, il va falloir que j'avance quand même un peu. Bon, c'est pas grave, on aura un gris plus clair que ce qu'on voulait. Ça fait gris un peu taupe.
et je rajouterai du noir aussi évidemment après, hein, là. Hop. Par contre, je me rappelle pas si les papillotes argentées, elles sont toutes argentées dedans et dehors là, là pour la fin, je sais pas. Sincèrement, je me rappelle. J'ai appuyé sur le S Pen et ça m'a re tout perdu. Alors là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Écoutez, j'ai l'impression que c'est la même couleur. Franchement. Ce crayon, parce que là il a des raccourcis qui marchent pas quand je veux qu'il fonctionne et fonctionne quand je veux que ça marche pas, et ça commence à me casser les pieds sérieusement. Je vois même pas si c'est la même couleur ou pas. Et puis puis là le truc c'est que le ASMR qui est en doré, ça fait bizarre. Ouais, bof, je suis quand même pas trop convaincue par mon truc là que j'ai fait. Je sais pas si vous vous serez convaincus, vous me direz en commentaire si vous voulez, mais là moi je suis moyennement convaincue par mon truc moi-même. Ou alors j'écris par-dessus et on voit plus ASMR. J'hésite. Après, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un logo différent? ASMR comme ça, parce que ça donne un peu de quelque chose qui est un peu plus intéressant, je trouve, que juste faire un truc basique. Et puis voilà. Et puis on va arrêter la vidéo après, tout simplement. Parce que je crois que j'aurais vraiment essayé. Et que si ça me plaît pas, bah tant pis. J'ai fait un trait qui me va pas, celui-là non plus. Ok. En tout cas, bah écoutez, je suis contente d'avoir essayé de refaire ce logo. J'espère que le nouveau logo vous plaira et que vous serez content d'avoir un truc qui correspond enfin au nom de la chaîne. Si jamais vous avez des idées brillantes, eh ben, n'hésitez pas à me les partager. Ça m'intéresse. Je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.